Bienvenue à R sur la liste, bonjour Thierry. Bonjour Quentin. Alors Thierry, on va passer un moment ensemble, tu vas nous faire découvrir cette ville parce que tu es un passionné d'histoire, du patrimoine et surtout du patrimoine d'R sur la liste. Absolument, ouais, c'est vrai. Alors là, juste ici, c'est la ville en 1745, c'est ça, oui. C'est un plan relief. C'est le plan relief, c'est la reproduction du plan relief, l'original est à Lille. Et d'ailleurs, durant ces journées du patrimoine, vous êtes invité par Thierry à découvrir ce plan relief parce que tu fais partie d'une association, c'est ça, une compagnie culturelle. Tu vas faire une animation autour du plan relief le dimanche 18 après-midi, 3 ou 4 fois dans l'après-midi. Et bah, très bien, le rendez-vous est pris. Si tu veux bien, on va voir cette ville, mais en vrai, on y va. Exactement. On va faire la visite des incontournables, c'est ça, c'est ça. Ce que tu m'as proposé. Ouais. Et il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. Alors Thierry, on démarre le City Tour au pied du Beffroi, on est juste en bas, c'est certainement le lieu le plus emblématique de la ville d'Air sur la Liste. Ah, l'un des monuments les plus représentatifs, oui, puisque traditionnellement les Beffrois sont le symbole de l'autonomie des communes. Un édifice de quelle époque à peu près ? Celui-là, 1724, il a été reconstruit en même temps que l'hôtel de ville. Et bien sûr, ouvert pour les journées du patrimoine, alors là c'est une jolie vue assurée. Ouais. Et même... au-delà des journées du patrimoine, ça se visite toute exactement. L'année. Exactement. Ah ouais, absolument. Et alors, juste à côté de ce Beffroi, on retrouve l'hôtel de ville. Juste à côté, oui. D'ailleurs, si vous venez voir, vous saurez pourquoi le Beffroi est curieusement placé par rapport à l'hôtel de ville. On enchaîne ? C'est parti ? Absolument. On y va ? Allons-y. On y va. Alors là, Thierry, on est arrivé dans la chapelle Saint-Jacques, un lieu assez chargé en histoire. Tu peux nous en dire quelques mots très brièvement. Chargé d'histoire, oui. C'est une chapelle de style jésuite. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Et elle est vraiment représentative de ce style d'architecture que les jésuites maîtrisent déjà depuis assez longtemps. Elle est remarquable donc pour cet aspect-là et aussi pour d'autres ornementations qui sont sur ces murs. C'est assez chargé. Hein, oui, c'est... et ça n'a rien à voir avec l'esprit dépouillé des jésuites. Hein. À commencer par les pendrillons dorés qui ne sont pas du tout d'origine dans la chapelle. Et pour finir, par cette gloire impressionnante par ses dimensions. C'est gigantesque. C'est gigantesque. On dit qu'elle figure parmi les plus grandes gloires d'Europe. D'accord. Mais ça, c'est peut-être une fierté purement héroïque, on ne sait mais pas. Mais c'est bien, il faut le dire, alors il faut l'affirmer. Et tout ce qu'on voit ici comme boiserie, comme lustre, comme gloire, ça date du milieu du 19e siècle. Il faut dire que la chapelle a eu une histoire très mouvementée à partir de la Révolution. Elle a servi de magasin à poudre, de magasin à fourrage, de manège à chevaux. De manège à chevaux, original. Elle a failli être rasée pour de bon à un moment donné et finalement elle a survécu à tout ça. Et c'est toute cette histoire qu'on vous invite à venir voir aussi si vous en avez la curiosité. Voilà. L'édifice, voilà, témoin du passé de la ville. Exactement. Alors cette chapelle forcément nous invite à rejoindre la collégiale. On y va tout de suite. On y court. Quentin, nous y voici. Bienvenue à la collégiale Saint-Pierre. Bah merci Thierry. Alors c'est un lieu assez, encore une fois, on ne peut plus symbolique, assez grandiose. On est rentré tout à l'heure, l'orgue jouait. Enfin, c'est assez magnifique. Quand assez même. Impressionnant par ses dimensions. Oui, elle est l'une des plus grandes églises du département. Et elle est intéressante à visiter pour un tas de raisons. Il y a un tas d'éléments architecturaux, de petites particularités. La fresque de Saint-Jacques, les voûtes centrales, le style des voûtes latérales qui ne la rendent pas unique. Mais très particulière dans la région, au moins. Ouais. Et ben, en tout cas, on sent le Herrois qui est très, mais qui est fier et tout le temps, tout au long de la visite de sa ville. Hein. Oui, ça fait plaisir. C'est une ville qui a beaucoup de patrimoine et c'est sympa à visiter. Il y a toujours de quoi faire, de toute façon. Ah, mais c'est certain, ça, on n'en doute pas. Et d'ailleurs, c'est dans les lieux sains qu'on prend les bonnes décisions. Oui. Moi, je te propose de terminer la visite sur une petite bière. Allons-y. Ah, j'ai cru que tu allais me proposer d'allumer un cierge. Mais c'est beaucoup mieux, ça. On y va comme ça, avec plaisir. Bon bah Thierry, toutes les bonnes choses ont une fin, mais celle-ci, elle est plutôt agréable à prendre. Alors santé, okay, et puis merci hein, de nous avoir fait découvrir R sur la liste. Mais finalement, on a vu une infime partie hein, de tout ce
tout ce patrimoine qu'il y a à découvrir ici? Oui, c'est un patrimoine riche, il y a beaucoup de monuments classés, il y a beaucoup de façades inscrites, il y a encore des choses qu'on n'a pas vues avec le bailliage, avec d'autres éléments du patrimoine herois. Donc ça vaut le coup de faire une balade aérienne quoi qu'il arrive, parce que c'est une ville qui va se montrer sous divers aspects. Voilà. Alors justement, durant ce week-end, on vous invite à aller rencontrer Thierry, aussi les associations qui font vivre ces journées européennes du patrimoine. D'ailleurs, on peut parler de C'est pas du jeu, ton association, Thierry? Oui, C'est pas du jeu est né il y a quelques années autour d'un groupe de passionnés. On fait des animations de rue, on fait des animations pour certaines situations particulières, justement autour du plan relief d'Ers-sur-la-Lys pendant les journées du patrimoine. On a également un atelier d'expression théâtrale qui est né il y a quelques années, qui tourne bien, qui est le seul atelier adulte d'Ers-sur-la-Lys. Voilà, qui se produit tous les ans en juin. Belle association à découvrir dans une chouette ville, il faut le dire. On est d'accord. Bon allez, merci encore, on se la voit. Santé. Allez, bon.